L'agence CIC Banque Privée Montpellier est au cœur de la vie économique régionale et ouverte sur l'international. Elle se situe dans l'immeuble Ozone, à la même adresse que les agences CIC Entreprises et CIC Immobilier. À la tête de l'agence, Sylvain Marcos est présent sur l'agglomération de Montpellier depuis toujours, avec une équipe de deux gérants privés, Stéphane Casanova, David Serin et de Frédéric Aubigna, directeur de l'ingénierie patrimoniale en région. Ils accompagnent les chefs d'entreprise dans la gestion de leurs intérêts financiers professionnels et personnels. Cette relation de proximité et d'expertise permet d'apporter les meilleurs conseils et d'offrir des services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l'ingénierie financière et patrimoniale, de l'allocation d'actifs et de la gestion financière. Ils participent à la réalisation des investissements de leurs clients en mettant à disposition tout leur savoir-faire pour permettre de développer et valoriser leur patrimoine. Le gérant privé s'entoure de spécialistes pour les conseiller à chaque étape de leur parcours. L'équipe les accompagne et mobilise les meilleures expertises en vue d'optimiser les actifs entrepreneuriaux selon les projets et objectifs. Il privilégie les rendez-vous physiques dans le respect des gestes barrières pour favoriser les échanges et la convivialité. Les nouveaux locaux offrent aux clients le confort et la confidentialité attendus. Les espaces de réunion sont équipés de visioconférences pour réaliser des rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs et les différents experts métiers. Un département transaction, Vitivinicole et la société de gestion du groupe Crédit Mutuel Gestion sont également présents au sein de l'agence. Ensemble, les différents métiers travaillent en synergie pour apporter leur expertise et bâtir une offre sur mesure. Proche de ses clients et avec un savoir-faire reconnu sur la gestion de fortune, l'agence CIC Banque Privée de Montpellier accompagne les familles entrepreneuriales avec bienveillance sur plusieurs générations.